Salam alaikum, Azul, bonsoir. Shakib Khalil est un ovni, objet vacant, non identifié, parce que s'il ne fait plus aucun doute qu'il est l'objet d'une grosse opération. On ne sait pas encore laquelle. Hein. Il a été choisi par ceux qui dirigent ce pays, non pas par le président Bouteflika, bien sûr, mais par ceux qui l'utilisent pour gouverner en ses noms et lieux, pour une mission dont on ne sait encore rien. Est-il en train d'être préparé pour juste revenir aux affaires en tant que ministre ou toute autre charge au sein du régime? Ou bien alors est-il destiné à quelque chose de bien plus important? Autrement dit, assurer la succession de façade de la façade Bouteflika. Ça, c'est la première question. Mais il y en a d'autres. Qui veut faire revenir Shakib Khalil? Et pourquoi? Alors d'abord, qui? Qui veut le mettre en orbite? Est-ce Saïd Bouteflika? Ou un consensus de tout le clan au pouvoir? C'est-à-dire Saïd et les quelques généraux qui sont autour de lui. Est-ce une recommandation des puissances étrangères, l'Yed al-Kharijiya, qui commande au clan et qui le protège? Et pourquoi veut-on le faire revenir d'abord? Est-ce juste pour le soustraire aux poursuites internationales, pour dissimulation des fonds d'origine criminelle par un réseau de comptes et de sociétés, et parce que aussi il est cité dans de très grosses affaires de pots de vin en Italie? Est-ce pour le préparer à succéder de façon franche et honnête à Bouteflika? Et si c'est le cas, est-ce parce qu'il sera la seule possibilité pour Saïd de ne pas être mis à la touche, voire pire, si son frère disparaissait? Et dans ce cas, pourquoi Shakib Khalil représenterait-il une telle garantie pour Saïd? Quelle est donc la nature de cette complicité qui lie les deux hommes, qui semblent se tenir l'un l'autre par la barbichette? Qui a choisi cette grossière opération de blanchiment de Shakib Khalil en cherchant à le faire adouber par deux principaux relais du régime? D'abord les Zawiya, ensuite la famille révolutionnaire. Et ainsi, après l'avoir promené dans toutes les Zawiya douteuses du pays, Zawiya douteuses, hein, pour ne pas insulter tout le monde, voilà qu'on lance la phase 2 de l'opération, le faire bénir, adoubé par la famille révolutionnaire, et commencé très fort en choisissant Batna, la capitale des Aurès, et le faire recevoir par le fils du très emblématique Shahid Mustafa Ben Bouled, Rabbi Rahmou. Mais attendez, ce n'est pas fini, il y a encore des questions. Je ne vais pas toutes vous les poser, rassurez-vous. Alors, certains observateurs affirment que jamais les Algériens n'accepteront qu'on leur force la main, et ils disent même que si jamais c'est le cas, les Algériens réagiraient très violemment si on leur imposait Shakib Khalil. Et pourquoi cela, s'il vous plaît? Les Algériens ont-ils déjà réagi à quoi que ce soit? Je vous le demande. N'ont-ils pas accepté qu'on leur fasse élire sans qu'ils l'élisent un invalide intégral qui n'a que quelques moments de très relative lucidité par jour et dont tout un chacun sait qu'il est totalement absent? Les Algériens ont-ils réagi à la mise en coupe réglée des ressources de leur pays, de la dilapidation effrénée de 1000 milliards de dollars en moins de 20 ans, on ne le dira jamais assez? Se sent-il mobilisé d'une quelconque façon devant la sortie du bois d'une véritable mafiocratie qui ne se cache plus,
qui étale ses turpitudes en plein jour? Ont-ils réagi quand un Lakhdar Brahimi vient leur jurer main sur le cœur qu'il a eu de fructueuses discussions avec son frère, c'est Abdelaziz? Ont-ils réagi à la fraude systématique des élections, à la corruption de presque tous les partis de l'opposition? Ont-ils réagi à la totale prise de contrôle sur la presse par le régime, à la répression des rares vrais opposants, à l'assassinat récemment d'un journaliste pour avoir dénoncé les frasques des enfants et des familles des barons du régime? Ont-ils réagi? Pourquoi donc, dans ce cas, Shakib Khalil ne passerait-il pas, lui aussi, comme une lettre à la poste, comme tous les autres scandales qui sont tellement nombreux, qui ne suscitent pas de réaction et qui se sentent banalisés, qui n'interpellent plus? Et est-ce que ces observateurs qui préviennent de graves troubles en cas de désignation de Shakib Khalil pensent vraiment que celui-ci, Shakib Khalil, est pire que les autres, pire que ceux qui l'ont précédé et pire que ceux qui se bousculent dans les starting blocks? Est-ce qu'ils pensent vraiment que les millions de Baltagia et autres relais du régime ne vont pas se mobiliser comme un seul homme quand le coup de sifflet sera donné? Autant de questions dont je ne connais pas les réponses personnellement. J'espère que nos invités pourront y répondre aujourd'hui. Algérie Focus, il veut revenir aux affaires. L'équation Shakib Khalil retarde le remaniement ministériel par Abdou Semar. TSA, quand Shakib Khalil s'emporte contre les journalistes par Hajar Gnanfa. Presse des aides, affaire Sonatrach 2 et Shakib Khalil, le silence inquiétant de la justice par Salima Tlemcani. Shakib, phase 2, la famille révolutionnaire. Et j'ai le plaisir donc pour en parler d'accueillir ici avec moi Yassine Mahibahi, médecin et analyste politique. Bonsoir Jamel Din. Bonsoir, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Je vous remercie. Et au téléphone, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid, merci, en Skype, il sera avec nous. Et Karim Tabou au téléphone, président de l'UDS. Nous allons commencer par Yassine Mahibahi. Alors, voilà, donc Shakib Khalil, on pensait qu'après l'opération Zawiya, on pensait que ça y est, devant l'échec, devant la grande rigolade que cela avait suscité au sein de l'opinion publique, on pensait qu'ils avaient abandonné l'option. Et là, rebelote, mais cette fois-ci, c'est la famille révolutionnaire à Batna, capitale de l'Aurès, reçu par le fils du shahid Mustafa Mboulaïd Rabira. Eh bien, écoutez, c'est une situation très inquiétante sur le plan politique quand on voit la récupération que le pouvoir fait par rapport à M. Shakib Khalil. Et on sait très bien dans quel contexte il était rentré des États-Unis pour faire sa campagne. Bien sûr, cette campagne a été soutenue par des forces occultes du régime. Campagne pour quoi? Pour un retour aux affaires. Juste pour un blanchiment ou pour un retour aux affaires? Il a dit, je suis prêt à assumer les charges qu'on pourrait me confier éventuellement. Shakib Khalil est un commis d'État. Donc, comme tous les commis de l'État du pouvoir algérien, ils sont toujours prêts à servir l'État. Mais là, c'est la vision noble du terme, hein. Oui, grand commis de l'État dans le sens un noble. Un commis de l'État à la manière du régime actuel. Parce que quand on sait comment il a été, enfin, il est inculpé dans des affaires, dans des scandales, et qu'il n'a jamais pu répondre, il n'a jamais déclaré par rapport à ses affaires, et il rentre des États-Unis, il fait sa campagne auprès des Zawiya en toute impunité, avec même des comités de soutien dans certains wilayas, ce qui est inquiétant. Cette opération n'a visiblement pas marché,
parce qu'on sait très bien à cette époque l'effervescence que ça a fait pour Chekib Khalil, partir d'une zaouïa à une autre, reçu en fanfare. Eh bien, il semblerait que cette opération n'a pas bien réussi, mais on y tient. Oui. Donc là, en ce moment, donc qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on va à la veille des élections législatives, à la veille d'un très probable remaniement. Moi, je suis aussi inquiet quand je vois le Premier ministre réagir ces jours-ci dans le salon économique, dans un état d'esprit. J'ai l'impression qu'on voit M. Sellel qui est complètement dépassé par les événements, limite dépressif. Donc, vraisemblablement, il y a un remaniement. Et aujourd'hui, ben, la famille révolutionnaire, on l'utilise à la rescousse pour Chekib Khalil. De quel droit la famille révolutionnaire va soutenir Chekib Khalil ? De quel droit on va donner à Chekib Khalil cette légitimité qu'il n'a jamais eue ? Et comme vous l'avez bien dit, comme vous l'avez bien souligné, il y a aussi des manipulations au niveau du cabinet présidentiel. On sait très bien dans quel état de santé il est président. Tout peut arriver dans un contexte économique extrêmement chaotique. Oui. Et vous avez bien dit que les Algériens ne s'intéressent plus à rien. Parce que justement, les Algériens ont peur et ils savent la réalité. Aujourd'hui, l'Algérie est dans un carrefour économique très dangereux. Il y a plus d'argent. Oui, mais pourquoi les Algériens ont-ils seulement peur pour leur couffin, pour leur pouvoir d'achat ? Pourquoi les Algériens n'ont-ils pas peur pour l'avenir du pays, pour l'avenir de leurs propres enfants dont ils ont compromis irrémédiablement l'avenir ? Parce que tout simplement, les Algériens ont élu un président de la République c'était le seul président de la République qui a acheté la paix sociale. Donc il a fait en sorte que les Algériens ne s'occupent que du côté confort, social, etc. et qu'ils s'éloignent de la politique. Vraisemblablement, quand vous avez un chef d'État, 15 ans, il a quand même... Il y a toute une génération qui est née avec Bouteflika. Il a été élu en 99. Donc ça fait quand même... Donc toute une génération a grandi sur l'achat de la paix sociale. Comment voulez-vous que cette société qui n'est plus mobilisée va se poser des questions sur l'avenir politique ? Non. Et ça a été la volonté du pouvoir et c'est la volonté du pouvoir. Aujourd'hui, comme le contexte économique ne le permet plus, parce qu'il n'y a plus d'argent, alors on va essayer d'utiliser la famille révolutionnaire pour dire peut-être que Chekib Khalil, celui qui sera peut-être le chef d'exécutif, on ne sait jamais. Nous allons demander à Sofiane Gilali, que nous remercions d'être avec nous. Sofiane Gilali. Merci, oui, je suis avec vous. Merci. Bonsoir à vos invités, à tous les auditeurs. Merci. Alors, Sofiane Gilali, donc voilà, comme je le demandais à Yacine Mahibey, j'aimerais bien que vous nous disiez ce que vous pensez de ce qui semble être une phase 2 d'une opération de blanchiment ou de bénédiction, ou on l'appellera comme on voudra, de Chekib Khalil, qui après les Zaouïas, maintenant, va commencer une campagne de la famille révolutionnaire. Eh bien, il faut dire qu'avant ça, il avait tenté également quelques centres universitaires. Donc, des Zaouïas, il était passé à quelques universités, mais ça n'a pas été très, très loin. Pardon, Sofiane Gilali, vous avez tout à fait raison de le souligner, puisqu'à Batna aussi, il a été, semble-t-il, dans un centre universitaire où il s'est fait recevoir par certains étudiants. Oui, là, on est vraiment dans une phase d'un agenda de communication. Depuis quelques mois, ce personnage est rentré dans le pays dans les conditions où on sait, mais très officiellement reçu par le Wali, les autorités locales du Nouilaïa de l'Ouest, puis escorté, protégé et remis en selle. Au fur et à mesure, bien que la réaction au niveau de l'opinion publique au moins a été très négative. Vous avez bien fait dans votre introduction, en réalité c'était une oraison funèbre pour l'avenir du pays. Hein. C'est un homme complètement impliqué dans des scandales très grave, dont le nom est traîné dans les tribunaux, y compris à l'étranger, en Italie en particulier.
se comporte aujourd'hui, on voit les images, comme un nabab prêt à donner la leçon à tout le monde. Mais que voulez-vous qu'on puisse dire, sinon qu'il représente très probablement des forces qui sont à l'intérieur du régime et qui refusent tout changement parce que le changement apporterait beaucoup trop d'éclairage sur des affaires scabreuses, sur la destination des 1000 milliards de dollars que a géré le régime de M. Bouteflika depuis plusieurs années. Mais, Sien Gilali, à votre avis, pourquoi cette opération? Est-ce qu'elle est destinée éventuellement à le protéger justement contre ces poursuites internationales dont il fait l'objet, ou bien est-ce pour le préparer à un destin national? Si ça se limitait à le protéger, je pense qu'il serait rentré en catimini, il serait resté bien calfeutré chez lui et il n'a pas à s'exposer. Or, on l'a vu très rapidement faire la tournée des Zaouias, donc c'est la dimension religieuse, puis essayer de convaincre, disons, la frange de la population la plus rationnelle, celle des universités. Il essaye de rafler maintenant la mise auprès de soi-disant de la famille révolutionnaire. Non, ça répond vraiment à un plan de communication. Qui est derrière ce plan de communication? Quels sont les objectifs à atteindre? Ça, on ne le sait pas. C'est bien entendu bien caché. Et bien malin serait celui qui saurait exactement ce qui va se passer. Restez avec nous, Sien Gilali. Yassine Mahibahi. Ce régime a une astuce très simple. Hein. Elle est très, très basique, mais elle est très efficace. À chaque fois, il fait croire que, par exemple, quand il a utilisé les zaouïas, là, il a pris des zaouïas marrons, douteuses, corrompues. Il a utilisé le représentant de ces zaouïas, d'une partie de ces zaouïas. Il a baladé le monsieur. Puis maintenant, ils utilisent la famille révolutionnaire. Pareil, hein, ils vont donner l'impression que toute la famille révolutionnaire est avec Chakib, comme toutes les zaouïas sont avec Chakib. Or, il n'en est rien. La grosse majorité des Zaouïats ne sont pas avec Chakib Khalil et ont refusé fermement et vigoureusement de le recevoir. Et la famille révolutionnaire, pareil, j'imagine que la plupart des enfants de Shuhada, la plupart des vrais anciens Moujahidines ne marcheront pas dans la combine. Sauf que, ce qui fait justement qui relaie cette propagande, ce sont certains médias. Ce sont les médias qui font en fait le gros du travail d'endoctrinement, de propagande, d'endormissement. Et avant que vous nous répondiez, nous allons voir justement Chakib Khalil faire du cinéma sur le compte des journalistes, parce qu'il sait qu'ils ne peuvent pas réagir, parce que les patrons de presse sont à la botte du régime, qu'ils n'ont pas intérêt à réagir. Vous allez voir le cinéma qu'il fait sur les plus faibles, hein, sur ces journalistes qui ne peuvent pas réagir. Vous voyez, donc, il prend des micros, il les jette à gauche, à droite, ça veut dire qu'il fait passer l'assistance avant les journalistes. Mais, petit bémol, tous les journalistes ne sont pas classés au même degré, je ne prononce pas le terme, je préfère. Mais nous allons voir la réaction de deux journalistes, regardez. Un journaliste d'El Bilad retire son micro et un autre journaliste d'El Jazairia TV retire son micro. Ils lui ont dit « Ah bon, vous nous jetez nos micros ? Eh bien, on les reprend. ne nous humiliez pas comme ça. Les autres n'ont pas branché. » Écoutez, c'est aussi l'une des pratiques aujourd'hui courantes de ce régime. Et je rejoins ce qu'il avait dit Sofiane Gilavli sur une opération de communication et que les médias sont impliqués, bien sûr, dans cette histoire, puisqu'on lui donne beaucoup d'importance. Alors s'il est là, s'il fait son show, c'est qu'il y a des médias, comme vous dites, parce que les médias aujourd'hui sont au service de l'État, du régime,
On voit certains chaînes de télévision qui nous passent des faits divers à longueur d'année, alors que les problèmes d'Algérie sont ailleurs. Nous avons des problèmes beaucoup plus sérieux. Au lieu de s'occuper des débats sociaux, des débats politiques et du projet de société pour notre Algérie, on s'occupe à nous raconter des histoires à droite et à gauche. Aujourd'hui, ben, on essaie aussi d'utiliser ce personnage au point où il pousse son coup de gueule devant les journalistes qui lui ont donné, de façon, qui lui ont aidé à faire son discours à je ne sais où. Donc oui, c'est un plan de communication du régime. Quand vous dites, bien sûr, la famille révolutionnaire n'est pas totalement impliquée. Du moins, c'est... Mais il y a des organisations satellites du régime. Ben, on travaille avec, on les prépare aux élections. Je vous ai dit, nous sommes à la veille des élections législatives, c'est avril, c'est pour bientôt. La machine électorale se met en place. Devant le boycott des partis d'opposition, parce qu'on sait très bien que c'est encore une fois une supercherie, parce que le régime ne veut pas discuter, ne veut rien savoir. Donc on prépare, avec les médias, quand vous dites, avec ces jeunes journalistes. Ce n'est pas les jeunes journalistes, c'est les patrons de presse. Les patrons de presse, de toute façon, oui, on utilise comme ça jusqu'au... Voilà, mais ça va continuer. Moi, j'ai la certitude, déjà la conviction, que nous allons voir d'autres épisodes encore beaucoup plus gravissimes que celle-là. Et justement, à propos de presse, nous avons avec nous Abdou Sammar, qui va donc nous parler de cet épisode, Chakib Khalil et les médias, et la réaction de deux de ces journalistes qui ont eu la dignité de reprendre leur micro. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Vous pouvez être toute l'équipe. Merci. Alors Abdou, donc Chakib, fait du cinéma, zama, comme quoi il s'est énervé, qu'il jette les micros, vous ne respectez pas l'assistance et tout. Il fait passer l'assistance avant les journalistes. Hein. Et donc, fort heureusement, deux parmi ces journalistes, quand ils ont constaté qu'il leur avait jeté avec un mépris vraiment incroyable leur micro, qui les a balayés comme ça, ils sont allés reprendre leur micro, deux, Al-Jazairia et Al-Bilet, il me semble, si je ne me trompe. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdou Sammar? Au-delà, bien sûr c'est grave, le comportement de M. Chakib Khalil, il est étonnant. Pour moi, en fait, il faut dépasser l'anecdote. Au-delà de l'aspect anecdotique et du fait en lui-même, ce qui s'est passé, Chakib Khalil s'est comporté de cette manière. Ça révèle une chose. Nous en avons fait un article sur Algérie Focus il y a 3-4 jours avant. Monsieur Chakib Khalil est au cœur de gros enjeux au sein du Sirail. Il y a énormément de pressions qui s'opèrent sur lui. Il y a énormément de clans qui sont composés autour de son enjeu. Et l'enjeu principal aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que le remaniement ministériel il est bloqué. Est-ce que Chakib Khalil va revenir aux affaires, oui ou pas. Donc lui, il veut revenir aux affaires, il n'est pas revenu en Algérie pour être en retraite, il veut prendre sa revanche, il veut revenir aux affaires, il a fait son nom, il ne cesse pas de proposer des services. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre, il traverse une période... On va arriver à cet aspect des choses, je vais vous poser une question sur ça. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez, pourquoi Chakib Khalil est-il si sûr, lui qui sait très bien ne pas scier la branche sur laquelle il est assis, hein, qu'on ne s'y trompe pas. Pourquoi est-il aussi sûr que malgré ce mépris qu'il a affiché publiquement pour les journalistes, il est pratiquement sûr que la presse, cette presse-là, continuera à couvrir sa campagne, j'allais dire. Mais cher Jamel, le mépris, il n'y a pas que lui qui méprise la presse. La presse elle-même, les journalistes eux-mêmes se méprisent aujourd'hui. Le jour où les journalistes algériens respecteront leur propre dignité et s'imposeront une hygiène de vie et s'imposeront des valeurs en allant lutter sur le terrain réellement, au lieu de s'entre-déchirer dans des luttes claniques, etc. Le jour où ils vont se rassembler et défendre leurs intérêts proprement, ce jour-là, on peut parler de la dignité de la presse algérienne. La dignité de la presse algérienne, ça fait longtemps qu'elle est bafouée, ce n'est pas le
le seul ou le dernier épisode. Il y a quelques jours auparavant, à Annaba, lors de l'inauguration du Sheraton de Annaba, où il était un projet dans lequel étaient impliqués de nombreux hauts dirigeants, parmi eux Tleba, par exemple, les journalistes ont été humiliés, certains ont protesté contre le protocole qui a été mis en place, etc. Ça se passe, moi je travaille sur le terrain en Algérie, il n'y a pas un événement officiel où un journaliste n'est pas humilié, n'est pas agressé, n'est pas rejeté, etc. Ça devient, on n'a pas d'organisation qui défend notre intérêt, et ces chaînes de télévision, franchement, moi je n'ai pas à les défendre, ils vont eux-mêmes participer à la réhabilitation de Chakib Khalil, ils lui ont fait de la promotion et de la publicité depuis son retour, sans aucun travail critique, sans aucun journalisme critique, et aujourd'hui, lorsqu'il est méprisé, elles veulent se victimiser. Pas du tout. Franchement, on sème ce qu'on récolte. Le jour où la presse, les journalistes entretiennent des rapports professionnels avec le recul nécessaire, avec un véritable code déontologique avec les dirigeants politiques, ce jour-là, oui, il y aura du respect. Mais quel respect Khoya Jamal peut avoir lorsque des journalistes dans des cérémonies officielles, en aparté, ils demandent des logements, ils demandent des facilitations, des cartes de club des pains, je ne sais pas quoi exactement. Expliquez-moi, Abdou Sammar, vous qui êtes au cœur de cette corporation, de notre corporation. Expliquez-moi un peu, si vous avez vu, vous qui avez beaucoup voyagé, si vous avez vu quelque part au monde des conférences de presse de quelqu'un et qui sont de quelqu'un qui est applaudi par cette même presse, comme c'est le cas de Chakib Khalil, où les journalistes applaudissent ces conférences de presse. Franchement, Jamal, tu connais encore une fois mon point de vue, j'ai voyagé beaucoup, même dans les dictatures les plus ridicules, j'ai pas vu ce genre de phénomène. Même dans les dictatures les plus ridicules, j'ai pas vu des parades, des mascarades comme celle-là. On a bien vu comment la visite de Chakib Khalil dans les Zawiya, comment elle a été médiatisée de manière ridicule, comment certaines télés... En fait, on n'est pas dans le journalisme, mon cher, on est dans la télé-réalité. Ce sont des chaînes de télé-réalité, c'est pas du journalisme. On met en scène des dirigeants. On invente des feuilletons pour détourner l'attention et faire diversion. Donc pour moi, franchement, ce n'est pas du journalisme. Alors, pour en revenir à ce que vous étiez en train de dire un petit instant, que Chakib Khalil se trouve au cœur d'enjeux, ces mêmes enjeux qui sont au sein du Serail, comme vous dites. D'après vous, est-ce que tout ça est fait donc pour désigner Chakib Khalil à un poste de ministre, disons, ou alors un peu plus haut, au poste, à la charge, aux responsabilités de chef du gouvernement, premier ministre, ou alors, plus encore, de président, ou peut-être les trois en même temps, l'une après l'autre. Non, en fait, Jamal, il y a trois clans au sein du Serail qui se disputent, qui s'entredéchirent autour de la question de Chakib Khalil. Tu as un premier clan qui veut replacer Chakib Khalil comme premier ministre à la place de Sellal, parce qu'ils estiment que Chakib Khalil aurait la compétence et la carrure et le carnet d'adresse nécessaire pour diriger un gouvernement technocrate pour la croissance économique et réformer le pays. Tu as un deuxième clan qui dit non, il ne faut pas lui donner le premier ministère, il faut suffit juste lui donner le ministère de l'Industrie à la place de M. Bouchouareb. Comme ça, lui pourra parler aux investisseurs internationaux dont l'Algérie a cruellement besoin pour se moderniser parce qu'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus d'argent. Et tu as un troisième clan qui dit non, il faut absolument relativiser son retour et lui donner juste un ministre d'État conseiller qui va lui permettre de travailler sur l'international avec l'OPEP, etc. et les questions énergétiques, pas plus. Donc ces trois clans se déchirent et la décision officielle n'a pas été décidée. C'est-à-dire que tout le monde veut le retour de Chakib Khalil, mais de quelle manière, personne n'a encore statué. Merci avec nous, Abdou Sammar. Souyan Gilali, pour quelle option penchez-vous personnellement? Qu'est-ce qu'on prévoit pour M. Chakib Khalil? Je ne sais pas si la décision est arrêtée, quoi en faire, mais moi je voudrais juste rappeler un petit peu le parcours de ce personnage. Il faut se rappeler qu'il y a quelques mois, il était sous le coup d'une plainte portée par le procureur d'Alger pour de graves faits qui lui étaient reprochés, en particulier un détournement de plusieurs centaines de millions de dollars. Il est impliqué dans les affaires avec Eni et donc par la justice italienne. C'est à cause de lui que les services de sécurité algériens ont été pratiquement démantelés et le général Toufik mis à la retraite, puisqu'il avait ouvert un dossier de renseignement sur son cas. Il faut rappeler que cet homme-là, qui était en 2004
2005 avait préparé une loi sur les hydrocarbures pour donner le pétrole algérien aux Américains. Il faut rappeler que cet homme-là est impliqué dans plusieurs affaires, dont BRC, et qui a coûté entre autres 2 années de prison à Mohamed Bentchikou, qui avait dénoncé en ce temps-là ces affaires sulfureuses. Voilà cet homme qui dépasse maintenant les 80 ans. On nous le présente comme un génie de l'économie, alors qu'il a esquinté, si j'ose dire le mot, les puits de Hassim Saoud, parce qu'il a fait une surexploitation du pétrole et il n'a pas laissé les puits se régénérer. Tout le monde sait que ce sont des pertes de plusieurs milliards de dollars qui sont dues à sa politique. Lorsqu'il est rentré en juin, il a très rapidement commencé par annoncer que le pétrole allait remonter dans les 3 mois qui suivaient et qu'il allait être à 70 dollars le baril. On a vu ce qu'il en a été juste après. En réalité, c'est un homme qui est non seulement incompétent, il est malhonnête, il a plusieurs affaires sur le dos. Et voilà maintenant qu'on nous le présente comme un sauveur de la nation. Je pense que s'il devait arriver à un poste de responsabilité, c'est juste pour finir le peu de choses qui restent dans le pays et l'offrir à l'étranger et le reste dans la poche. Sofiane, voilà ce qu'est M. Chakib Khalil. Sofiane Djilali, il y a quelque chose qui me turlupine personnellement. Chakib Khalil qui vit aux États-Unis avec sa femme et ses enfants. Sur un très grand pied, hein, c'est la haute sauce, hein, c'est la haute société. C'est, vraiment, ses enfants sont dans la jet set et lui et sa femme sont dans la haute société, la high society. Et donc, M. Chakib Khalil, qui aurait pu devenir américain, contrairement à ce que croient beaucoup de gens, n'est pas américain. Il est algérien et seulement algérien. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Je vends ce qu'on m'a vendu, hein, peut-être que ce n'est pas vrai. On me dit que certains milieux américains très très haut placés lui auraient recommandé de ne pas prendre la nationalité américaine parce qu'ils avaient pour lui des ambitions algériennes entre autres. Et d'abord, il a été nommé directeur, il a eu un poste supérieur à la Banque mondiale, puis il a été président de l'OPEP, ce qui n'est pas rien. Il n'aurait pas pu être président de l'OPEP s'il était américain. Puis il a été ministre de l'énergie algérien. Il a été d'abord PDG de Sonatrach, puis ministre de l'énergie. Et nous dit-on, la dernière ambition des Américains serait justement celle de chef de l'État. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces élucubrations ? Je sais que le régime algérien ne s'est jamais préoccupé de l'application de la Constitution, mais en l'occurrence, l'amendement, les derniers amendements de la Constitution lui interdiraient cet accès-là, puisque son épouse n'est pas de nationalité algérienne, en tout cas pas d'origine algérienne. Mais il pourrait réaménager encore une fois. Qu'est-ce qui empêcherait ? Oui, c'est pour ça que je dis que le régime algérien n'a jamais fait vraiment cas ni de la Constitution ni d'autres choix, mais simplement ceux qui sont contre Chakib Khalil, qui sont à l'intérieur du régime, pourraient trouver là l'occasion pour le bloquer. Donc les jeux ne sont pas faits et je crois que de toute façon il ne faut pas être particulièrement pessimiste même si l'optimisme doit être mesuré. On a vu combien de peuples acceptaient presque un servage durant de longues décennies et puis un jour c'est une goutte de trop qui fait déborder le vase. On l'a vu pendant très longtemps, les Algériens quand ils partaient en Tunisie s'étonnaient toujours de cette forme de résignation des Tunisiens face à leur régime policier. Je me rappelle très bien d'amis tunisiens qui n'osaient même pas parler, même à l'étranger, qui ne parlaient pas de leur régime, de peur que leurs paroles soient portées à la connaissance de leur régime. Restez avec nous, Sofiane Djilali. Et puis d'un coup, tout peut changer. Ils l'ont démontré et les Algériens pourront le démontrer aussi. Restez avec nous, Sofiane Djilali. Je suis désolé que nous n'ayons pas pu joindre Karim Tabou. Yassine Mahibahi, c'est vrai, on reconnaît que ce ne sont pas toutes les Zawiya qui ont marché avec Chakib Khalil. Comme on reconnaît que ce n'est pas toute la famille révolutionnaire qui va marcher avec lui parce qu'on va le lui demander, très certainement, puisque ça a commencé à Batna, capitale de l'Aurès. Mais sinon, pourquoi, justement, le reste des Zawiya, les Zawiya honnêtes, et le reste de la famille révolutionnaire, la famille révolutionnaire honnête, ne réagissent-elles pas, ces familles, ces relais
du régime, j'allais dire? Pour répondre à la question, tout ce que je peux dire, c'est qu'on a vu que les Zaouïa ont toujours eu un rôle à jouer dans les campagnes électorales. Pas toutes les Zaouïa. La majorité. On va dire, pour moi, la majorité des Zaouïa ont joué un rôle dans la désignation du président, dans les campagnes électorales, aussi bien législatives que présidentielles. Donc cet aspect religieux m'a toujours dérangé, on va dire, personnellement. C'est dans l'air du temps, ces derniers temps, avec les Malahmar, un Bouteflika lui-même, qui faisait la sieste chez un marabout du sud, à Drar, je crois, qui lui aurait prédit qu'il allait devenir président. Des ministres qui font antichambre chez Malahmar, justement. Donc c'est dans l'air du temps, ce n'est pas très étonnant. Oui, mais les Zaouïa, c'est quand même la continuité de l'association des ulémas, etc. Donc il y a une histoire. Mais cette histoire, le régime a toujours profité, surtout le président de la République, depuis son arrivée, depuis 1999, il a utilisé ses Zaouïa pour sa campagne et pour donner une légitimité à son pouvoir et à ses gouvernements. Et bien, aujourd'hui, alors vous dites, mais pourquoi toutes les Zaouïa, d'autres n'ont pas participé ou n'ont pas donné en tout cas... Et le reste de la famille révolutionnaire aussi. La famille révolutionnaire aussi, elle a été instrumentalisée par le pouvoir. On se rappelle de l'histoire de Zora Drif, qui n'a pas été reçue par le président, qui a été chassée du Conseil de la Nation. Pourtant, c'est une grande moujahida. On connaît beaucoup... Mais il faut dire aussi qu'elle a été longtemps du côté absolument, du régime. Absolument, absolument. Elle, c'est pour elle, ça a, je vous elle dis a que... très peu quitté la mangeoire. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que la famille révolutionnaire, elle a joué le jeu du pouvoir. Ouais. Et le pouvoir, de Bouteflika, en tout cas du président de la République, de son frère, et donc cette famille révolutionnaire, donc elle a été divisée aussi. Donc le pouvoir, il a manipulé cette famille révolutionnaire. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où il y a une partie de cette famille révolutionnaire avec des relais du parti du FLN, du RND, etc., qui soutiennent Chekib Khalil X ou Y, et d'autres qui se disent « Nous, non, on ne va pas se mouiller dans ces histoires ». Quoi qu'il en soit, comme disait Sofiane et comme disait Abdou, je rejoins tout à fait leur analyse là-dessus. Abdou, en tant que journaliste, disait que les médias ont un rôle très important à jouer et doivent revenir à l'éthique. Et qu'est-ce que c'est que pouvoir informer le citoyen par des véritables débats, par trouver des solutions à ce pays et non pas donner de l'importance à ces personnages. Et aussi, je rejoins l'analyse de Sofiane Djelali quand il disait, bon, il ne faut pas être totalement pessimiste parce qu'il ne faut pas donner beaucoup d'importance aussi. C'est vrai qu'il faut s'inquiéter dans la manière dont M. Chekib Khalil répond, dans comment qu'on expose ce monsieur. Mais il ne faut pas aussi s'inquiéter parce que peut-être que finalement, la société civile est en train de bouger en disant « mais de toute façon, on n'en veut pas de ce monsieur-là et ce n'est pas comme ça qu'on va préparer l'avenir ». Je n'ai pas beaucoup entendu ça, moi. Écoutez, le but, c'est ça. Le but, c'est que tous les partis d'opposition, tous les courants, tous les mouvements associatifs qui voient ça, parce que ces pratiques-là, finalement, en toute impunité, je suis certain que les Algériens sont scandalisés. Et ils sont choqués tous les jours de voir un peu cette choqués, bassesse. Choqués, mais sans plus. Choqués parce que... Choqués comme ça, entre Salat l'Aïcha ou Salat l'Aïcha. Mais il y a une bassesse, on voit bien. Vous savez, aujourd'hui, on arrive à se dire, le Parlement algérien, je ne voudrais même pas être député à la place de XY, parce qu'on sait très bien qu'est-ce que vaut le Parlement algérien. C'est-à-dire que même les fonctions importantes de l'État ne valent rien du tout. Donc il y a une bassesse. Donc le pouvoir, finalement... Il est tellement fragile, ce pouvoir-là, parce qu'il manque de légitimité. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a bien dit, Abdou Samar, il a bien trouvé la formule, c'est de la télé-réalité, finalement. Oui. Absolument. Mais très rapidement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, la famille révolutionnaire dont vous parliez à un petit instant, comment ce régime a-t-il fait pour corrompre? Je ne parle pas des faux moujahidines. Là, ils sont dans leur rôle. Ce sont des gens qui ont trafiqué des attestations communales, qui sont la majorité de la famille révolutionnaire, il faut le dire. Nous ne le dirons jamais assez fort. Mais les vrais moujahidines, ceux qui ont vraiment combattu, qui ont tout donné, qui ont donné jusqu'à leur vie, et leurs enfants, comment ce régime a-t-il fait pour corrompre de vrais combattants, des Zora Drif, qui étaient une authentique révolutionnaire, qui ont corrompu un Mohamed Bjaoui,
qui est mouillé coco dans cette histoire de gros sous. Comment ce régime a-t-il fait pour corrompre ces gens qui avaient pourtant donné jusqu'à leur vie pour la libération et la dignité de leur pays? C'est les pratiques de ce régime. Ça a toujours existé. Il a toujours réussi depuis, pas 99, mais depuis 63, depuis l'indépendance, qui a été très mal, faut dire, donc les choses, hein, depuis que le régime a pris le pouvoir militaire. Donc il a toujours réussi à utiliser cette carte de la famille révolutionnaire comme un vecteur pour asseoir sa légitimité. Alors comment il a fait, c'est pas, la question c'est pas ça, c'est qu'il a toujours fait. Oui. C'est dans les pratiques du régime. Moi c'est une vraie question. Non, mais et je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas de réponse, c'est même pas la question. Moi je ne dirais pas comment il a fait. C'est dans ses pratiques d'utiliser les moujahidines, d'utiliser le syndicat des travailleurs, parce qu'il a un seul syndicat. Les enfants de Chouhada? Absolument, mais il faut voir. Quelqu'un dont le père a donné sa vie, écoutez, lui, moi, il va vendre la mémoire de son père. Je vais vous dire une chose. Moi, les enfants de Chouhada, moi, personnellement, je vais vous dire une chose. Si on veut construire une véritable république, on ne la construit pas à la base des enfants de Chouhada ni des anciens moujahidines. Oui, parce qu'ils n'ont pas libéré le pays. Non, une république. Ils l'ont libéré pour tout le pays. Une république, ça se construit sur la base d'un état de droit, la citoyenneté. Et puis, la Constitution, respecter la Constitution. Vous parlez des enfants de Chouhada. Je ne parle pas de tous les enfants de Chouhada, mais je sais très bien que la majorité de ces organisations sont impliquées dans les trafics, enfin, dans les élections, dans les bourrages d'urnes, des élections municipales, législatives, dans les PAPUI, les APC, etc. Tous les enfants, enfin, toutes ces organisations, Moujahidine, etc., sont tous impliqués de la Wilaya 1 à la Wilaya 48. Vous allez dans les APUI, dans les APC, vous trouvez toujours un membre de cette famille-là. Oui, donc, mais c'est comme les Zawiyah. Moi, je connais beaucoup de gens, d'enfants de Chouhada et de vrais Moujahidines. Je les connais très, très bien. Non, mais... Ce sont des gens qui ont été... Je vous rappelle une chose. En 1963, le régime de Bembella et de Boumediene avait pendu une loi qu'on appelait la loi sur les catégories C et D des moujahidines, des ayants droit de Chouhada. Vous savez ce qu'elle disait, cette loi? Elle réservait certains postes aux moujahidines, oui, et aux enfants de Chouhada. Quels étaient ces postes? Et aux femmes de Chouhada. Quels étaient ces postes? Appariteur, vaguemestre, plantant, factotum, et pour les femmes de Chouhada? Femme de moi, ménage. J'étais inspecteur de travail. J'étais chargé d'appliquer cette loi. Femmes de ménage. Oui. Des femmes de Chouhada ont été utilisées, employées par des femmes, comme femmes de ménage, dans des sociétés où le directeur était généralement un ancien, un faux moujahed, incompétent. Alors c'est pour ça. Et elles étaient jeunes à l'époque, ces femmes. Ben c'est pour ça, je dis, et je redis encore une fois, que la République n'appartient pas à la famille révolutionnaire. Moi, je reste convaincu que la République, si on veut construire une véritable République, elle est construite sur un état de droit, sur la citoyenneté, sur la nouvelle génération, sur la jeunesse, sur le respect de la Constitution. Les moujahidines, que ce soit vrai ou faux, ils ont fait leur travail. Les vrais moujahidines, ceux qui ont la conscience tranquille, ils ont essayé de combattre pour avoir une indépendance et une souveraineté nationale, à laquelle moi je pose la question aujourd'hui, en 2016, est-ce qu'on a une véritable souveraineté nationale? Je pense que beaucoup de gens vont répondre à ces questions. Très bonne question. Est-ce qu'on a une souveraineté nationale? Je pense que la souveraineté nationale est atteinte et la République doit appartenir non pas à la famille révolutionnaire, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde, mais on doit se reconnaître dans la citoyenneté, dans la jeunesse, dans l'état de droit. Et le régime a toujours utilisé cette carte de famille révolutionnaire, de syndicat des travailleurs, des enfants de Chouhada pour asseoir sa légitimité. Et c'est ça ce qu'on veut combattre. Merci. Alors, Saïd Aknin est avec nous aujourd'hui. Merci Saïd d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je veux rappeler que nous commémorons aujourd'hui le premier anniversaire de la mort de Dalhou Hussein Ait Ahmed, Rabbi Rahmou. Et donc, vous voulez lui rendre hommage. On est Et je vous invite à le faire. En effet, au passage, je remercie tous les téléspectateurs et je remercie vos invités. Delhoussine, l'homme qui nous mettait en garde contre le politicide.
L'homme d'honneur ne vit pas pour les honneurs. Le combat de sa vie n'était ni dans la mystification des troupeaux bêlants, ni dans le désir de se fabriquer un personnage. Del Hussein aimait son peuple. En effet, Del Hussein aimait d'un grand amour son peuple. Il aimait tout simplement et il lui avait tout donné. Del Hussein, aujourd'hui est le premier anniversaire de ton décès. Je veux te dire que nous t'aimons. Que nous t'aimons comme si tu étais encore parmi nous. Del Hussein, tu nous as appris ce qu'est le combat pour le droit du peuple algérien d'exercer sa souveraineté. Tu n'es plus là. Tu as rejoint Ali Messili, tes frères d'armes et tes compagnons de lutte. Ah, que j'aimerais savoir que de là où tu es, tu sais ce qui se passe maintenant dans ton parti. Dans cette force que tu as créée, à qui tu as insufflé ta dignité et ta volonté. Ah, que j'aimerais. Ah, que j'aimerais. Aujourd'hui, alors que nous commémorons la première année de ta disparition, il n'est pas question pour nous d'abdiquer ce que tu représentes à une représentation folklorique de ton combat. Del Hussein, tu nous as appris à faire attention aux sirènes de la Montjoie, au carriérisme négateur de la légitimité militante et de la souveraineté partisane, à l'imposture de ceux-là, embusqués sous des attitudes partisanes menteuses, nous voulons éperdument, ardemment, demeurer fidèles et à jamais à tes belles promesses. Les trahir serait te trahir. Del Hussein, nous te faisons le serment de ne pas offrir à la clanocratie du crime et de l'argent sale, l'opportunité de ton assassinat politique et de l'assassinat du politique. Ton rêve, celui d'Ali Messili, celui de nos glorieux aînés, le nôtre, nous nous battrons jusqu'à sa réalisation. L'histoire est une leçon à retenir, le présent un combat à mener et l'avenir une victoire à construire. Il y a des hommes qui ont fait de leur vie un serment pour les luttes des peuples à disposer d'eux-mêmes. Del Hussein en fait partie. Nous devons le célébrer à chaque instant. Une injustice doit être combattue. Del Hussein, ni l'histoire, ni la mémoire, ni les hommes dignes ne doivent te conjuguer au passé. Et ils ne te conjugueront pas au passé. Parce que tes idées sont l'avenir même. Merci. Merci. C'est très, très émouvant. Je vous remercie, Saïd. Sofiane Djilali, un mot pour rendre hommage à Hussein Aït Ahmed avant de nous quitter. Eh bien, écoutez, je viens d'entendre avec attention ce qu'a décliné M. Aknin. Il lui a fait un merveilleux hommage. Et je pense que ce qu'on peut faire pour honorer la mémoire de Aït Ahmed, c'est non pas de rester fidèle simplement à ses promesses, mais de les concrétiser. C'est-à-dire de construire réellement une vie politique saine. C'est de rester sur la base de ses principes, de fonctionner pour faire évoluer cette société. Parce que si aujourd'hui nous vivons autant de problèmes, de régimes, de cette... ces personnages qui nous collent dessus, Cheikh Ibrahim et autres, c'est parce que peut-être la société n'a pas été capable de sécréter elle-même ses moyens de protection. C'est une société qui était très vieille, qui a été colonisée trop longtemps, qui s'est battue comme elle a pu pour se libérer, mais qui doit en face d'elle maintenant
porter un nouveau défi, c'est celui de construire l'état de droit et la démocratie. Merci Souyane Gilali, en espérant vous revoir bientôt. Yassine Mahibahi, un mot. Écoutez, c'est aujourd'hui, donc c'est un an, la disparition de Feu Hussein et Hamid, de Rabbi Rahmou. M. Aknin a fait un très bel hommage. On était à cette époque-là, l'année passée, on a fait une commémoration à Paris. Et je me rappelle pour l'anecdote, juste après le décès de Hussein et Hamid, il y a eu la réunion de l'ISCO à Mazafran. Et d'ailleurs, Soufiane Gilali était l'un des artisans de cette réunion. Eh bien, il y avait une chaise qui était, il y avait le nom de Hussein et Hamid, personne ne pouvait toucher à cette chaise-là. Tout ça pour dire que Hussein et Hamid est une fierté pour l'Algérie, c'est un homme d'État d'une grande envergure. Il a travaillé, donc il a milité depuis son jeune âge pour une Algérie démocratique, donc c'est un homme qui est, voilà, qui c'est un grand homme de l'histoire. Donc je pense que pour moi, on a connu Nelson Mandela, mais on a connu Hussein et Hamid, je le compare. Voilà, c'est un homme qui nous a enseigné beaucoup de choses. Et les jeunes doivent être fiers que l'Algérie a donné naissance à ces hommes-là. Alors, il n'a jamais occupé un poste important, mais il est mort. Il est mort en tant qu'homme d'État, un consensus. Grand consensus autour de lui. C'est le peuple qui lui a rendu hommage. Et c'est le peuple qui lui a rendu un hommage. Donc cela résume que ces hommes-là, comme c'est Hussein et Hamid, comme c'est Boudiaf, etc., c'est des hommes d'État d'une grande envergure, nous sommes fiers. Et j'espère que le combat continuera. Voilà, donc c'est une occasion pour saluer tous les militants du Front des Forces Socialistes, pour rendre aussi un hommage et saluer sa famille, ses enfants. Et donc pour dire que voilà, ça nous appartient, c'est notre patrimoine à nous, quelle que soit notre idéologie politique, mais c'est un patrimoine national et il le restera. Merci. Je reprendrai votre phrase. Le FFS, c'est un patrimoine à nous. Et c'est vrai. J'adhère totalement à ce que vous venez de dire. Le FFS est le patrimoine des Algériens, j'espère. J'espère que la base militante du FIS, pardon, quel lapsus. J'espère que la base militante du FFS se mobilisera pour empêcher que la mémoire du grand disparu ne soit altérée et que son œuvre ne soit détournée. Avant de nous quitter, je vais demander à Saïd Aknin de nous réciter un Fatiha, Rahmatan Jili Faqid. لازم ترحموا عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين رب العالمين merci. Merci à mes invités Yassine Mahibahi, Souyane Gilali, Karim Tabou, que nous n'avons pas pu avoir malheureusement, Abdou Sammar, et notre ami Saïd Aknin, merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qawala khair. Bislama.